Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 2 novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. N'oubliez pas que tout passe par la pensée. Et vous répétez cette phrase, eh bien vous le dites 3 fois, le matin. Aujourd'hui j'ai pigé « Quand tu te mens à toi-même ». C'est le 5e chakra. C'est le chakra de la gorge. C'est la couleur bleue. Et ce chakra, eh bien, il est le siège de la communication, de l'expression et de l'échange. Et il est le moyen d'extérioriser tout ce qui se vit en soi. Lorsque ce chakra est harmonieux, n'est-ce pas? Eh bien, il permet d'exprimer librement ses sentiments, ses émotions, ses pensées par les mots, n'est-ce pas? Les gestes ou la créativité. Bon orateur, en parfait accord avec votre petit cœur, eh bien, vous captez aisément l'inspiration pour transmettre sagesse et vérité autour de vous. Maintenant, lorsque ce chakra circule mal, n'est pas aligné avec les autres, eh bien, vous êtes bloqué pour certains d'entre vous. Vous êtes bloqué pour parler de votre vie intérieure et vous vous en tenez souvent à l'intellectualisme et au rationalisme. Pour certains d'entre vous, vous êtes timide ou, au contraire, dans un flot ininterrompu de paroles. Vos émotions réelles, eh bien, elles restent coincées dans le fond de votre gorge. Et vous avez tendance à vous sentir en total décalage entre votre monde intérieur et votre vie extérieure. Il y a une solution, n'est-ce pas? Bien sûr, le verbe créateur, il est très porteur de liberté. Hein? L'expression de votre vérité est sacrée, il faut apprendre à vous exprimer en accord avec votre cœur pour communiquer, eh bien, cette vérité. Je m'excuse, il y a encore un avion qui passe, mais voilà. Alors le bleu, soyez plus dans l'expression, n'est-ce pas, de vous-même et en accord avec votre petit cœur. Quand tu te mens à toi-même, alors lorsque tes émotions ne sont pas conformes, eh bien, à tes actions, il est évident que ça qui se crée une disharmonie intérieure, n'est-ce pas? Que tu nies parfois. Mais oui, il faut te l'avouer. Tu la balayes. Et tu te trahis aussi. Tu es nerveux, tu parles beaucoup. Tu peux même te vanter plus que de raison d'une situation que tu édulcores. En fait, tu tentes de te persuader de choses que tu sais fausses et tu attends des autres des signes d'approbation sur ton prétendu bonheur pour y croire pleinement. Eh bien, cet excès dissonant dévoile une fragilité, n'est-ce pas? Grande fragilité intérieure. Ton petit cœur et ton mental font deux au lieu d'être unis. Et cette dualité, eh bien, t'éloigne de toi. Je t'invite à assumer et à affronter tous les paramètres de ta vie avec courage et bienveillance.
oser voir qu'il y a des choses qui ne sonnent pas juste dans ta vie, eh bien, c'est sortir du déni et t'autoriser à rectifier le tir pour être heureux. Très, très beau message, n'est-ce pas? Vraiment. Je termine avec ne plus avoir peur. Si j'ai peur d'agir, je pense à la satisfaction que je ressentirai lorsque tout sera fini. Lorsque le trac nous inhibe, mieux vaut se projeter dans l'après, car il est délicieux ce soulagement qui nous envahit lorsque l'épreuve est passée et cela nous permet d'oublier le trac. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Ne vous mentez plus à vous-même. C'est un très très grand message aujourd'hui. On se retrouve demain. D'ici là, je vous embrasse. À demain.